salut à tous, nous sommes avec Nabil Kalfet pour le MMA Skill. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, MMA Skill? Donc le MMA Skill, c'est une plateforme qui va voir le jour, j'espère, d'ici quelques semaines. Donc c'est une plateforme de VOD où on va proposer des masterclass, donc des cours qui vont traiter de thématiques autour des arts martiaux et du MMA en particulier, et de toutes les disciplines que ça comporte. Donc jiu-jitsu brésilien, lutte, tout ce que vous pouvez imaginer, le striking, la boxe, etc. Et l'objectif, c'est que les gens puissent accéder à ces contenus et apprendre des meilleurs athlètes, du coup, français et francophones, dans toutes ces disciplines. Donc les athlètes connus, ce sera simple pour eux, mais également de mettre en lumière des coachs qui font beaucoup de travail dans l'ombre, que les athlètes connaissent, mais pas forcément le grand public. Voilà, voilà. Alors, comment vous avez trouvé coach? Très bon événement, très bel événement, avec beaucoup de monde, avec de très bonnes personnes, avec un très bon cadre. Et comme j'expliquais, bah, j'espère que ça va nous faire un petit peu de pub aussi, d'un point de vue perso. On attend la prochaine édition avec grand plaisir. C'est quoi votre Instagram? Moi, c'est Hamza Mefta Coaching. Ok, voilà. Et du coup, c'est où votre salle? Non, ma salle, elle est à Gennevilliers. Ah, ok. Je donne des cours à Gennevilliers. D'accord, voilà. Super. Donc, là, vous restez chacun. Vous restez chacun à votre place. Et c'est le deuxième intervenant qui va prendre le relais. Donc chacun reste à sa place. On change d'intervenant. Donc ici, il y aura Karim. Ici, on aura Chaban. Et voilà. Donc restez à votre place. L'intervenant change. On va partir pour le bon relais. Un peu de calme. Exactement. Donc là, entre guillemets, les masterclass et la vente de VOD dans les cours de technique, c'est assez démocratisé dans certains sports aux États-Unis, un peu moins en France. Et un des intérêts primordiaux pour n'importe qui veut progresser dans les sports de combat, c'est de développer ses skills, d'apprendre des meilleurs et d'apprendre surtout de leur expérience. Ce que je disais tout à l'heure lors du lancement, c'est que nous, on a commencé 2006-2007, il n'y avait aucun moyen d'avoir accès à de la technique. Ça veut dire que tu devais pirater des combats, visionner des combats à l'ancienne, et aller chercher ce qui se passe et aller chercher ta science toi-même. Là, aujourd'hui, on a des moyens, on a des outils, les athlètes vous expliquent directement comment ils voient telle ou telle chose et vous allez du coup éviter des erreurs qu'eux peut-être ont commises par le passé. Donc ils ont des outils qu'on n'avait pas avant et tout ça, ça va dans le sens de la progression et de la progression du MMA français. Yes, nous sommes avec François Maubert, que vous connaissez sur cette chaîne, puisqu'il nous explique très régulièrement ce qui se passe, notamment dans les muscles, les os, etc., des combattants, c'est ça. Les blessures des combattants, surtout. Effectivement. Pourquoi nous sommes là? Parce que grâce à toi, quand même, j'ai su qu'il y avait l'événement. Merci encore pour ce petit message. De rien. Cet atelier consistait à... En fait, moi, j'assurais l'échauffement des troupes. Je suis le seul qui a eu tout le monde d'un coup et qui devait échauffer tout le monde, donc avec l'espace... Bien que c'est une belle salle, ça reste un espace réduit parce qu'ils ne s'attendaient pas à un tel engouement en fait. Après, la deuxième partie, c'était plus sur le renforcement des cervicales. Vu que lié à la plateforme, j'ai un petit module sur le renforcement des cervicales que les personnes peuvent consulter. Voilà. Bon. Ah oui, d'accord. Alors ça fait combien de temps que tu es au courant de ce petit projet là? Oh, ça va faire peut-être 4 mois. Ça fait 4 mois, après, bon, bah, toujours pareil avec mon emploi du temps. C'était pas facile de trouver un créneau pour tourner les images et tout. Puis après, voilà, on a réussi à trouver un truc comme un créneau. Le projet est intéressant. S'il a proposé, c'était intéressant de faire une espèce de plateforme où ça regroupe tous les skills du MMA avec des acteurs du MMA français de qualité. Donc ça, c'est plutôt pas mal de regrouper comme ça et de fédérer un peu les différents clubs. C'est ça qui est pas mal aussi, dans un seul site internet, quoi. Donc c'est cool. Est-ce que tu connaissais déjà Nabil? Ouais, je le connaissais via le CDK, parce que le CDK, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais concrètement, ça a rempli une bonne partie de mon cabinet. Donc concrètement, je me suis occupé de tout le monde là-bas et quand... Nabil a dit bah tiens, ça serait bien qu'on ait un côté un peu médical, prépa et tout, bah ils sont partis sur moi quoi.
Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. On peut savoir quel est ton club, ta team? Donc moi je suis de la team CDK, donc dans le Jiu-Jitsu, tout le monde entre guillemets nous connaît. Donc je suis le coach, le second, donc il y a coach, le vrai coach, une légende justement quand on parle de gens qui connaissent des coachs qui ne sont pas connus, qui est à l'étage et qui est passé inaperçu. Mais les gens qui savent, ils savent que c'est une grosse, grosse tête dans ce domaine. Et moi, je suis son second, du coup, j'ai commencé avec lui en 2006. Et j'entraîne, du coup, dans la MMA de nombreux athlètes au sol. Voilà. Okay. Alors, parce que moi, là, en fait, ce qui m'a interpellé et que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai vu, en fait, plusieurs combattants de partout, des clubs différents. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a encore du mal à faire, en fait, hormis lors des combats, bien entendu, sur les organisations françaises. Exactement. Donc, on a essayé de faire un événement. Donc comme tu le disais, on n'a pas l'habitude de voir des clubs, des athlètes de clubs entre guillemets rivaux travailler ensemble sur un événement. En général, quand ils se voient, c'est un faisceau, il faut une bonne bagarre. Là justement, donc ce que je disais tout à l'heure, la plateforme elle permet aux utilisateurs de progresser dans leur domaine, mais elle va aussi permettre à ces athlètes de dégager une autre source de revenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un peu de retard comparé à d'autres pays. 90% des athlètes les plus forts chez nous, ils sont obligés quand même d'aller travailler à côté. Soit faire des coachings, soit faire du boulot, soit faire du business. Et MMA Skill, elle va permettre aussi à ces athlètes-là de leur dégager une autre source de revenus pour, du coup, se consacrer leur temps exclusivement à s'entraîner et performer, du coup, au plus haut niveau. Donc, c'est un événement gagnant-gagnant. Et les événements gagnant-gagnant, ça rassemble et ça ramène du monde. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est venu chipoter. Ils sont tous venus de bon cœur. Et tant mieux, l'événement il a réussi, et tant mieux quoi. Tout le monde est content et tout le monde a l'air content. Bonsoir. Bonsoir. Oh, mais qui est là? Mossab. Comment tu vas? La forme, Mossab? Super. La forme? Ouais, ça va. Ah, bah, je suis contente, je savais pas que t'étais là. Bah, j'ai vu Karim en plus. Je me suis blessé. J'ai vu Karim, ouais. Ok. Il y en a d'autres? Avec des jeunes du taf. Pas mal. Ouais, bon. Bah ouais, on essaie. Surtout les fronts. On essaie, on essaie. Pas toujours, hein, mais j'essaie de reprendre. Bon, je vais dire bonjour à un cher monsieur. Ah oui, maintenant, maintenant, c'est pas une réflexion. C'est monsieur Crazy Leg. C'est ça. On se connaît pas. Ça va? La fronte. Tu vas bien, tranquillement. Oui, bah enchantée, je suis contente. Enchantée également, pareil. Ça fait plaisir. Aïe, c'est fait. T'as problème là, par contre? Un de plus. Tu vas faire un petit peu? Tu vas proposer. Elle est comment la tenue? Moi je suis bien. Bah, c'est crossfit là avant la journée. Finalement ça va? Mais moi comme de la moitié, comme tu dis la taille de mannequin, bah tu vois, c'est tout te va. Pour m'habiller. Tout te va, ouais. Voilà, pour m'habiller, c'est facile. Nous sommes avec celui qu'on appelle le coach Karim, que l'on retrouve. Bah oui, c'est vrai, c'est coach Karim, que l'on retrouve à la team Chapakent. Comment ça va, Karim? Ouais, très bien, très bien. Là, on vient de faire une séance, là, super, ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais. On a croisé Mossab aussi. Oui. Ouais, ouais, Mossab est venu avec moi. Alors, dans le cadre du travail, en fait, Mossab est aujourd'hui éducateur spécialisé et on a pu inviter des jeunes du foyer pour venir avec nous. Ouais. C'est pour ça, il me disait qu'il y avait des jeunes qui étaient là et j'avais pas compris. Okay. Donc ouais, on a une section d'éducateurs sportifs en fait, si tu veux. Et aujourd'hui, je travaille au département et on nous a fait confiance. Et on a un outil supplémentaire, on s'occupe de jeunes et l'outil c'est le sport. D'accord. J'ai Mossab qui travaille avec moi, j'ai Mounir, si tu connais Mounir, et j'ai Chris aussi qui travaille avec moi. Et puis on essaye de travailler l'hygiène de vie, leur donner confiance par rapport au sport. Voilà. Ouais, trop bien, comme quoi vraiment cet événement il me surprend complètement. C'est incroyable. Bah tant mieux, en même temps, j'ai envie de dire qu'il est au bon endroit. Bon, alors on va dire les aléas du direct, même si quand vous verrez la vidéo c'est plus direct. On en a un qui est en train de s'amuser en fait, à faire certainement des vidéos. Hein,
aérienne. Voilà, et on peut à tout moment hein, se prendre un objet. Bon bref, revenant à l'interview tout à l'heure, je t'ai vu un petit peu diriger en fait. C'était des féminines d'ailleurs. Hein. Donc explique-moi comment est-ce que tu es arrivé sur ce projet déjà. Sur ce projet, bah, c'est Nabil en fait qui est venu vers moi. Bah, me proposer tout simplement de faire partager mon peu de savoir que j'ai à un grand nombre de personnes, hein, puisque nous on est quand même dans un petit club hein, à Mantes-la-Jolie, donc on est un peu excentré. Et puis voilà, il m'a proposé ce projet-là, et puis j'ai trouvé ça sympa, donc j'ai dit ouais, bingo, on y va. Voilà, donc ouais. Et c'était quoi ta spécialité là particulièrement ? Bah, on va pas se leurrer, hein. je suis pas un très grand adepte du sol. Moi, c'est le pied-point, le striking pour le MMA, en fait. Voilà, je pense que je suis un petit peu connu pour ça, en fait. Nous sommes avec Karim Gadji, que je suis ravie de revoir. Comment ça va, Karim ? Bah, écoute, je suis content de te voir. Bah, très bien, ça va très bien. Merci. Bon, alors comment ça va ? C'est vrai que moi, je t'ai suivi dès le départ, en fait, depuis ton début au MMA. Exactement, je m'en souviens très bien. Et voilà, je me rappelle comme c'était hier, ça va. Et je me rappelle que c'est vraiment une émotion particulière parce que j'avais vécu ça avec ta team. Et tout le monde criait « Gadget ». Franchement, ton combat, je m'en rappellerai, mais je crois pendant des années et des années. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soutien à mes débuts à Arès. Et même avant Arès. Hein, même AGP déjà. Oui, même AGP, c'était un moment fort parce que c'était pendant le Covid. C'était assez spécifique parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient acceptées dans le gala. Le gala ne devait pas se faire. Ça s'est validé au dernier moment. C'était pas évident, mais le soutien était là malgré tout. Et avec un combat un peu bizarre, on va dire. Hein, on est passé de la joie, non, de la tristesse à la joie en quelques secondes. Non, c'était un moment fort, on va dire. Ouais. En quoi est-ce que le pied-point spécifique au MMA est différent du pied-point que tu faisais ? Alors, si tu me permets encore une fois, la garde, elle est différente. La position des jambes au niveau de la posture, tout est différent, la distance d'attaque, elle est très différente. J'ai essayé au début de mes combats à Arès de pouvoir utiliser la garde et la position d'un boxeur pied-point. Ça n'a pas été fructueux du tout. On a des problèmes de distance, on se fait littéralement prendre en lutte très facilement. Vous avez pu le voir au combat face à Jordan. Donc tout ça, j'ai appris grâce à ces personnes-là, hein, bien sûr. Hein. J'ai appris à faire le nécessaire et je continue à faire des erreurs, mais de moins en moins. Tout à l'heure, justement, je parlais avec Karim Gadji et on parlait en fait justement de ces techniques qu'il pouvait avoir en pied-point. Et je lui demandais si c'était la même technique ou c'est différent. Donc le striking pour le MMA, c'est vraiment quelque chose de particulier, nous sommes d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, à la base, je viens de la boxe française. Pour moi, hein, après, c'est je le dis, et ça n'engage que moi, c'est une des boxes les plus complètes pour travailler dans le MMA. Au niveau des déplacements, c'est une boxe assez complète, mais c'est vraiment la spécificité du déplacement. Et effectivement, le striking dans le MMA, il faut jouer avec le déplacement. On va tomber contre des lutteurs, on n'est pas très bon en lutte, il faut s'adapter. Donc je vais jouer avec mon déplacement pour pouvoir striker et faire mal. Et inversement, je suis un lutteur, je veux emmener au sol, il faut que j'aie mes déplacements. Et la boxe fait le lien entre tout ça. Et est-ce que les déplacements aussi peuvent permettre d'attirer en fait son adversaire dans on va dire, sa spéciale ? Ouais, bah, tout à fait, hein, tout à fait. On a des vieux loups, on a des renards qui savent amener, par exemple, prendre un coup, reculer pour mieux attaquer. Oui, ça c'est, ouais, ça fait partie de stratégie pour certains, oui, effectivement. Et un petit mot quand même à Nabil, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que tu t'as contacté pour faire partie du buffet ? Alors, moi, personnellement, je soutiens
la démarche de Nabil, le concept qui est vraiment innovant, déjà de proposer des entraînements spécifiques avec des champions, avec des personnes expérimentées dans chaque domaine, que ce soit MMA, pied-point, anglais, JJB, grappling, c'est vraiment très très intéressant pour les compétiteurs, ceux qui ont déjà de l'expérience et ceux qui n'ont pas d'expérience, c'est vraiment pour tout le monde. C'est fait pour, c'est un moment de partage pour faire évoluer les connaissances et pour tout le monde. Franchement, je suis là, je soutiens dans chaque événement, je serai là, même pour pouvoir bénéficier, pour donner des cours, pour partager mes connaissances en pied-point. Donc voilà, félicitations à lui, force à lui pour la suite, en tout cas, sûr que moi je serai là avec lui. Alors pour l'instant, je travaille un petit peu sur Limay, donc c'est une ville à côté de Mantes-la-Jolie, et puis je me laisse encore un petit peu de temps, je me laisse jusqu'à septembre, à savoir si vraiment j'ouvre quelque chose, ou je travaille en freelance avec 2-3 clubs. On m'a fait des propositions, mais pour l'instant je m'éclate. Je m'éclate. Je m'occupe de Mossa, je m'occupe de Léo, et puis les petites pépites qui arrivent, les petits billets, les petits... voilà, donc je prends un petit peu de recul aujourd'hui. On va être sur des déplacements d'abord. D'abord, on va faire du padding. En même temps qu'on va commencer, c'est déjà en mouvement, on s'est échauffé, etc. D'accord. On va commencer tout de suite, je vais commencer à juger un petit peu pas mal de choses. On va avoir d'abord une coordination de déplacement avec les frappes, d'accord. C'est-à-dire que je suis loin de lui, je ne peux pas le toucher, je me rapproche, en même temps je lui mets 2 coups de poing et je recule. Après je lui mets les cibles et c'est à lui. On fait chacun son tour ça, tu vois, va durer pas loin d'une minute ou deux, d'accord. Je fais mon 1, 2, je recule. Ce que je veux c'est la coordination des pieds et des mains, d'accord. La coordination des pieds et des mains, d'accord. Comme quand je joue au football, je ne fais pas que mes pieds et ensuite mes mains. Nous quand on fait de la boxe c'est pareil. Je vais pas mettre mes coups de poing et après je me déplace, d'accord. Là on va voir ça, on va être sur ça d'abord. Ce que je veux, c'est que quand mon cou il percute, je suis en appui sur le sol. D'accord. Ça a l'air un peu simple comme ça, mais vous allez voir, ça va être très compliqué parce qu'il y aura toujours un truc à corriger, d'accord, ou à améliorer. Donc, je suis en garde, une jambe devant, une jambe derrière. Maintenant, je vais pas être très, très exigeant sur votre garde, d'accord. Ce que je veux, c'est que vous soyez à l'aise, une jambe devant, une jambe derrière. Un bras avant, un bras arrière. D'accord. Gaucher, droitier, ça vous appartient aujourd'hui. Je suis en garde, bim, mes lessives, je jaillis 1, ça fait 1, mon pied, hein, j'ai bougé un pied, je bouge l'autre pied. On va être toujours en deux temps. D'accord. Donc je ne veux pas avoir ça, je veux voir ça. 1, 2. Vous avez vu quand je me suis arrêté au 2, j'ai toujours une jambe devant, une jambe derrière, mon bras il est tendu, mon épaule elle est entre nous deux. D'accord. Donc je vais faire 1, 2, je ressors. 1, 2, je ressors. La vitesse, elle vous appartient. Ce que je veux, c'est une fluidité. D'accord. C'est-à-dire, je ne veux pas vous décomposer ce que je viens de vous montrer. Je veux que tout ce que je viens de vous montrer, ce soit un seul mouvement. Du début à la fin. La fin, c'est quand je suis en... C'est comment la fin de... C'est quand la fin de mon mouvement? C'est quand la fin de mon mouvement? Ok, merci. C'est quand je suis sorti en garde. Pas quand j'ai reculé. Quand j'ai reculé en garde. Là, je mets les cibles. D'accord. Je suis en garde. 1, 2, je ressors. Là, je mets les cibles. D'accord. Un truc aussi que je ne vais pas voir, d'accord, on va gagner un temps. Je ne vais pas voir ça. Pourquoi? Parce que le mec qui est en face de moi, comme j'ai dit, on va rentrer dans une configuration qui se rapproche de ce qu'on va aller faire. Il va être en garde, lui. Donc je m'habitue à tous ces repères, les pieds, ça. Peu importe où vous posez votre regard, je m'habitue à avoir des repères. Donc le mec il est en garde, il n'y a que les cibles qui sont fausses. D'accord. Mais le mec, c'est comme s'il était en garde pour de vrai, il met des cibles. Et je fais mon exercice et quand j'ai fini, je lui fais ça. D'accord. Donc on est en garde l'un face de l'autre, j'y vais. 1, 2, je recule, ça à lui. 1, 2, je recule à moi. 1, 2, il recule. Pam, pam, pam. Pas plus de temps que ça. Pendant qu'il fait son exercice, je suis déjà en train de réfléchir. Et ce que je veux, pendant que vous passez, pourquoi on fait plein de répètes? Parce que je veux que vous l'améliorez le mouvement. D'accord. Je veux que, mince, ça j'avais les pieds à côté, tout à l'heure j'ai ma pique, tac, là j'ai pas le bras tendu, etc., etc., d'accord. On est par deux, on démarre tout de suite, on se met là en face de l'autre, on a démarré, c'est parti les gars. Vous savez que c'est...
c'est le moment où on va crailler, garder tout ce qu'il y a. On commence par le dessert. Ouais. Bonsoir. Ah ben, je vais en prendre un, merci beaucoup. Regardez ça. Wow. Ça rigole pas ici. Ça a l'air pas mal. Hein. Regardez qui sont là. On a Damien comme d'hab. Salut, tu vas bien? Ça va pas comme ça. MMA Story France est toujours partout. Mister Chaban qui est là. Et Jean Endoy. Yeah. Bah partout il y a du poulet, hein, les amis. Hein. Il y a du poulet, on est là. Là où il y a le poulet, tu peux aller prendre un truc. Un poulet, on va se matcher. Avec la salade. Et il y a du poulet dedans. Il n'y a que la salade, il n'y a pas de poulet. Mais si, il y a du poulet, regarde. Non, il n'y a que la salade. Pour l'instant, franchement, moi, je suis vraiment ravie de voir ça. En plus, là, j'ai pu rencontrer Yacine Belhadj. Je ne l'avais jamais rencontré, je suis trop contente. Du coup, comme quoi, on fait en plus des connexions, c'est pas mal. Exactement. Il y a pas mal aussi d'invités qui sont venus de plusieurs domaines. Il y a Hassan, là-haut, qui est actuel champion de France de boxe anglaise. On a Karim Biadji que tu as interviewé avant. On a pas mal de champions qui circulent ou qui sont passés en coup de vent pour regarder. Donc pareil, ça donne de la force. Ils viennent donner de la force, ils viennent demander, ils sont curieux. Et pour répondre à des mecs comme Strickland qui viennent cracher un peu sur le MMA français, c'est qu'avec des événements comme ça qu'on fait monter le niveau. Et c'est en s'entraînant et prenant la science à la source que les combattants de demain, entre guillemets, ils vont pouvoir un peu monter le niveau. Là, malgré qu'on soit encore à chaud, on est encore dans l'événement, est-ce que t'as un petit peu de recul pour me dire les personnes qui sont venues, pas combien de personnes, mais est-ce que t'es satisfait là, de cet événement-là? Très satisfait, très satisfait. On aurait pu avoir plus de monde, mais la capacité des salles, elle aurait fait que ça aurait été moins bien parce qu'il faut de l'espace pour s'entraîner. Si on avait fait plus que ça, on n'aurait pas pu s'entraîner correctement. Enfin, les adhérents n'auraient pas pu s'entraîner correctement. Et voilà, non, le but premier c'était de communiquer sur le lancement de la plateforme et je pense que c'est assez réussi, ça va être relayé du coup par vous et des médias. Il y a plein de gens de plein de clubs avec leur réseau qui vont du coup voir ce qui s'est passé et qui vont s'y intéresser. Donc nous, notre objectif est là atteint et le deuxième objectif c'est que les gens soient contents et les gens sont contents, donc tout le monde est content. Ok, et en quoi est-ce que MMA Story France peut t'aider? Relayer l'info. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est du donnant-donnant. Nous, on va relayer, on va vous partager, et puis vos vidéos vont se partager. J'espère que vous allez vous faire connaître et que vous allez nous aider à faire connaître notre plateforme. Et que tout simplement, que tout le monde bénéficie de cette lumière. C'est pas quelqu'un s'accapare la lumière. En général, dans les événements, quelqu'un s'accapare la lumière et les autres, ils sont un peu des outils. Là, on a essayé de faire un événement où tout le monde vient rayonner, donner un peu de cette lumière et que tout le monde gagne quelque chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui sont venus, ont gagné quelque chose. Soit ils ont passé un bon moment, soit ils ont partagé un cours, soit ils ont venu prendre un cours. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse en vérité. Ok. Mais il faudrait quand même que je vous le dise, apparemment il est également humoriste. Ça, il fallait être là. On va pas répéter. Hein. Non, ça va. Peut-être dans un autre épisode, un autre événement. On répétera une autre fois. Un autre jour. En tout cas, bon, je vais pas te retenir trop longtemps, mais j'espère qu'on aura l'occasion à l'avenir, en tout cas, de parler de la plateforme encore plus au moment de la sortie, par exemple. Bien sûr, au moment de la sortie. Et ce que je disais tout à l'heure, parce que vous étiez pas là, je pense, lors de la présentation, mais en gros, cet événement, il va être pérennisé. C'est-à-dire qu'à chaque saison, parce qu'on va sortir des masterclass par saison d'une douzaine d'athlètes, et ben, on espère refaire cet événement à chaque saison avec de nouveaux athlètes. Sur le même principe que les gens découvrent d'autres athlètes, d'autres coachs qui viennent passer un bon moment et qu'ils apprennent de coachs différents, etc. Et toujours dans la même optique de partager et de progresser. Quoi. Okay. Voilà. Eh bien, nous, on vous informera en temps réel, hein, lorsqu'on aura les infos sur la suite, avec grand plaisir. Et je pense que c'est une très très bonne idée. En tout cas, de mon point de vue, là, moi j'adore déjà. Super, c'est génial. Merci à vous en tout cas. Force à toi et à toute ton équipe. Merci.